Bonjour, bonjour. Nous partons aujourd'hui au Brésil. Pourquoi le Brésil? Eh bien, parce qu'il y a eu des élections municipales ce dimanche au Brésil. Et puis, ben, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Alors, quand même, oublier ce pays continent dans nos éditoriaux, dans nos interviews des deux rives, évidemment, ça fait tache. Donc, pour cela, nous avons invité Alexandre Lohmann, qui est déjà passé sur les deux rives. Il est économiste, il vit à São Paulo. Alexandre, comment vas-tu? Très bien, merci pour l'invitation. Bah, merci à toi. Donc on va parler un peu du Brésil, de l'économie du Brésil. Où va le Brésil? Que fait le Brésil? Mais alors, je vais faire un petit résumé sur l'élection. Donc le premier tour des municipales qui a eu lieu ce dimanche. Donc en fait, pas de gros changements. Le premier tour a vu la consécration des partis de l'extrême centre, du centre libéral, c'est-à-dire du parti de la social-démocratie brésilienne et du mouvement démocratique brésilien, qui remporte 900 mairies au premier tour. Le parti des travailleurs, qui est le parti de Lula, augmente, passe de 188 mairies à 251 mairies, et le parti libéral de Bolsonaro de 344 mairies à 523. Donc là, il y a déjà, si vous faites un petit calcul, la moitié des mairies qui a été remportée au premier tour et qui montre une claire tendance qui est là le maintien de ce qu'on appelle au Brésil le centrão, l'extrême centre, le centre libéral, n'est-ce pas, qui en remporte plus de la moitié. Voilà. Alors, quand je dis ça, vous allez me dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors, pour aller vite et vraiment très schématique, c'est pas la peine d'aller me critiquer, c'est j'essaie de donner des axes de compréhension. On pourrait dire que le Parti des travailleurs de Lula, c'est le Parti socialiste français, le Parti de la social-démocratie brésilienne Renaissance, le mouvement démocratique brésilien LR. Donc vous avez vu qu'entre LR et Renaissance, ben, il y a un grand espace libéral. Bon, c'est pareil au Brésil. Et puis le parti libéral de Jair Bolsonaro, eh ben, dans ce cas-là, ça serait on va dire, un mix entre les gens de Ciotti et le Rassemblement national. Voilà, pour aller vite, pour que vous fassiez une idée. Alors, qu'est-ce qu'il faut sortir de cette élection? Eh ben, une continuité, parce qu'il n'y a pas de grand bouleversement politique par ces municipales. Et puis, il faut en sortir deux autres choses. Premièrement, il n'y a pas une grande bronca contre Lula. Hein, le Parti des travailleurs n'a pas été désavoué, alors que Lula, il a même augmenté légèrement. Donc, c'est pas un désaveu de la population face au parti de Lula. Et puis, le parti libéral de Bolsonaro augmente lui aussi, particulièrement lorsque Bolsonaro soutient ouvertement un candidat. Donc voilà, même si Bolsonaro a été inhabilité par la justice brésilienne pour 8 ans, Bolsonaro n'est pas hors jeu de la politique brésilienne. Et en 2030, quand Lula ne sera plus là pour candidater, Bolsonaro, lui, pourra certainement candidater et il reste un des piliers de la politique brésilienne. Voilà. Alors, ce qu'on ressort pour parler avec Alexandre, c'est que bah, cette continuité par rapport aux dernières élections, cette continuité de ce centre libéral. Donc, qu'est-ce que ça exprime selon toi, Alexandre? Et puis, qu'est-ce que ça exprime au niveau aussi de la stabilité économique du Brésil? Alors, tu disais que le PT avait pas eu un désaveu. Et alors, c'est assez marrant. Il y a la version brésilienne de la BBC a écrit un article. Le titre, c'était Perdeu ganhando. Il a perdu en gagnant. Oui. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que le PT augmente son score par rapport aux élections antérieures. Il augmente son nombre de préfets. Après, la petite différence, c'est que par exemple, pardon, Non, non, tu as tout à fait. Tu m'as dit un truc, c'est qu'effectivement, il y a les préfets. les préfets, c'est les maires, pardon. Je traduis du. En Oui. fait, il augmente son nombre de maires par Le maire, mais il rapport. augmente aussi le nombre de conseillers assez grandement, mais toujours en étant bien derrière les partis du centre, de l'extrême centre. Voilà, exactement.
Sauf que, par exemple, à São Paulo, le candidat de la gauche, c'était pas quelqu'un du PT. En fait, il s'était effacé derrière Guilherme Boulos, c'est à peu près ce qu'on dit, Les filles LFI, voilà, à peu près. du Et, PSOL, mais voilà, PSOL. donc voilà, donc globalement, voilà, c'est un peu une victoire un petit peu voilà, mi-figue, mi-raisin, mais globalement, la majeure partie du pays fait plutôt est plutôt à droite, ou alors ce que tu disais, c'est ce centre, le centre-en. Alors c'est très compliqué en fait, parce que il faut comprendre que quand il y a eu les élections, je me souviens qu'on en avait parlé. Globalement, Lula a gagné les présidentielles, parce qu'il y avait une réjection de Bolsonaro, mais globalement, le Congrès est dominé par la droite et le centre. Mais la droite, j'étais très frappé en fait de la rapidité avec laquelle les députés bolsonaristes sont venus appuyer, par exemple, la loi d'aide sociale, de dépenses publiques de Lula au tout début de son mandat. Ça m'a vraiment surpris. Et finalement, il faut comprendre que peut-être sur les questions de société, il peut avoir un gros clivage. Par contre, sur les questions économiques, le clivage s'efface souvent derrière le clientélisme. C'est-à-dire que au Brésil, les lois s'approuvent entre guillemets, payant les députés, en leur donnant de la réserve parlementaire, en libérant un petit peu d'argent dans leurs États, ou en donnant aux maires qui sont amis. Et finalement, les différences idéologiques entre droite et gauche parfois s'effacent un petit peu derrière ce clientélisme. Voilà, donc en fait, les frontières sont parfois un petit peu floues. Mais globalement, le pays est plutôt droite, centre-droit. Bolsonaro, comme tu le dis, il a encore une grande importance dans le débat public. Alors là, il y avait un petit peu, on va dire, la guerre au sein de la. Est-ce que tu peux baisser un petit peu ton écran? Ah ouais. Alors, il y avait un petit peu la guerre au sein de la droite, parce qu'il y a. Il y avait la droite un petit peu traditionnelle à São Paulo, autour du candidat soutenu par Bolsonaro. Et il y a une sorte de candidat de droite, on va dire, un petit peu plus populiste, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui était une sorte de coach, influenceur, qui est devenu candidat à la mairie de São Paulo, et qui est quasiment accédé au second tour. On est à peu près à 1%. 1%, les trois candidats devant sont tous quasiment dans la marge d'erreur. Et ça a été une campagne assez conflictuelle entre les bolsonaristes et entre les soutiens de ce candidat, Pablo Marçal, qui est ce coach influenceur. Et c'était un peu la guerre au sein de la droite. Donc voilà. Alors, en sachant que c'est ce phénomène dont Pablo Marçal, qui est un coach, effectivement, et qui est très radical, hein, évangéliste, très radical, et qui finalement pousse un peu Bolsonaro vers le centre, hein. Et c'est un mouvement qu'on retrouve dans d'autres pays, hein, d'Amérique latine, comme on a vu, comme Milei, par exemple, avait poussé Mauricio Macri finalement vers le centre. On voit au Chili comme des politiciens comme Kaiser poussent José Antonio Kast aussi vers le centre. Bon, il y a un espèce, en France un peu aussi, hein, comment Éric Zemmour a recentré un peu le Rassemblement national de Marine Le Pen. Donc il y a tout un surgissement comme ça de politiciens qui viennent généralement du monde des médias, qui sont influenceurs, ça colle très bien, voilà, très médiatiques, mais qui n'ont pas forcément de gros appareils politiques derrière et qui, dans les faits, ben, recentrent ceux qui étaient considérés radicaux comme il y a encore quelques années. Voilà, petite parenthèse fermée. Oui, alors après, c'est vrai que bon, l'épisode Pablo Marçal, il est un petit peu difficile à interpréter, parce que c'est arrivé un peu de nulle part, c'est encore très récent. Il va probablement avoir des problèmes avec la justice, vu
certains faits qu'il a publiés pendant l'élection. Des calomnies, il a Bah, couru. pour résumer, en gros, il a publié un faux certificat d'admission dans une clinique privée en falsifiant la signature d'un médecin qui était mort pour dire que le candidat de gauche avait été admis pour une sorte de, parce qu'il avait une sorte de délire psychiatrique suite à l'usage de cocaïne. Voilà. Sauf qu'il se trouve que le médecin était mort, que c'était faux, enfin bref. Et donc, ce genre de choses au Brésil, ça peut valoir l'inéligibilité. Il faut attendre. Donc, peut-être que voilà, c'est une expérience, mais peut-être qu'il va être un petit peu de courte durée. On ne sait pas trop, mais effectivement, il y avait une sorte de recentrage du bolsonarisme dans cette campagne. C'était assez intéressant, un peu en ligne avec ce que tu disais. Alors, voilà. Après, ça, c'est un petit peu. Ça, c'est mon analyse personnelle, mais. Pour moi, ce qui frappe dans cette campagne, c'est il faut comprendre qu'au Brésil, il y a une sorte de réserve parlementaire qui est un peu l'argent que les députés ils peuvent utiliser pour leurs dépenses. Par exemple, tiens, je vais subventionner l'hôpital dans la ville de mon pote, je vais subventionner telle association. Sauf que en France, la réserve parlementaire, c'était assez opaque, ça a été supprimé parce que c'était critiqué pour être un peu du clientélisme. Au Brésil, il faut comprendre que la réserve parlementaire, c'est plus que tout l'investissement public. Donc, c'est vraiment quelque chose de considérable. C'est quelque chose qui compromet considérablement la soutenabilité budgétaire. Et il se trouve que les préfets qui ont reçu le plus de cette réserve parlementaire, donc les emendas, ils ont été réélus Au premier tour. de manière beaucoup. En fait, il y a vraiment une corrélation entre le nombre d'emendas parlementaires qui reçoivent et le taux de réélection des préfets. Et Démettre. donc voilà. Et Démettre. ça, c'est une variable à prendre en considération parce que c'est quelque chose qui se développe au sein de la politique économique brésilienne qui fait pas trop parler de lui. Mais qui est finalement très important. OK. Parce que maintenant, c'est plus important que l'investissement public. Et c'est souvent des investissements de très mauvaise qualité, souvent dans des projets où il n'y a pas besoin d'argent, ou alors des trucs qui sont. De l'argent qui est détourné. Voilà, ça prend une place assez importante dans le système brésilien, parce que, en fait, depuis Dilma Rousseff, il y a un affaiblissement de la fonction présidentielle. Chaque président pour une raison différente, mais il y a un affaiblissement de la fonction présidentielle. Et donc le Congrès prend de plus en plus de pouvoir et le Congrès, en fait, force le président à passer à la caisse. Et donc ça fait croître cette réserve parlementaire. Et oui, c'est en fait c'est un jeu de dupes avec le Congrès. Si jamais tu nous donnes pas du pognon, on peut faire des procédures d'impeachment et donc te destituer, etc. C'est un jeu un peu dont la démocratie ne sort pas forcément gagnante. Alors, si on regarde le panorama de l'Amérique du Sud, en tout cas, l'Argentine est en crise. Le Chili ne va pas très bien. La Bolivie, c'est une crise économique généralisée. Le Pérou aussi. L'Équateur aussi. Ça fait beaucoup de pays qui connaissent des crises économiques dans la région. Le Brésil, comment ça va au Brésil? Ça va? Vous vivez bien? L'économie se porte bien? Comment allez-vous? Je vois que tu soupires. Ben en fait, je soupire parce que c'est difficile en fait de dire, c'est difficile de savoir. Donc, mon métier, c'est de faire des prévisions. Et donc, en fait, si j'avais des certitudes, je serais super content. Ça me faciliterait le travail. Mais en fait, c'est compliqué parce que, en fait, on a une croissance très forte au Brésil depuis plusieurs années. Et on n'arrive pas à savoir si il y a tout un débat pour savoir si c'est vraiment un nouveau normal. C'est-à-dire que le Brésil est vraiment dans une bonne phase, ou si chaque année, c'est pour des raisons différentes, un petit peu exceptionnelles, qui ne vont pas se répéter, qu'en fait, on a de la chance. Par exemple, l'année dernière, on a eu une super méga récolte. Donc ça, théoriquement, ça ne se répète pas les années suivantes. Et il y a aussi des doutes. C'est-à-dire qu'actuellement, le gouvernement fait énormément de déficit budgétaire.
sauf que, enfin, une hausse des dépenses publiques assez forte, sauf que le déficit budgétaire n'augmente pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a un déficit budgétaire, mais il n'est pas énorme. Et la question, c'est de savoir si, en fait, notre déficit budgétaire, il est beaucoup plus élevé qu'on pourrait le penser, parce qu'en réalité, on est dans une phase de forte croissance, pardon. Et le jour où ces facteurs de croissance disparaissent, on va se rendre compte que le déficit est abyssal, et en fait que toute la croissance qu'on avait, elle était achetée à crédit. Ça, c'est l'option pessimiste. Et l'option optimiste, c'est qu'en fait, ben, finalement, effectivement, le Brésil sort un petit peu d'une décennie de faible croissance, et c'est reparti comme en 40, et donc on a une croissance plus élevée pour tout un tas de raisons, des réformes, parce que, par exemple, on est producteur d'énergie, et avec tous les problèmes qu'il y a eu, ben, on est un petit peu au centre de cette forte demande pour les hydrocarbures brésiliennes. Voilà, c'est très difficile de savoir en fait. Est-ce qu'on est dans une phase bonne, un peu d'illusion, où on achète notre croissance par du déficit public, ou est-ce qu'effectivement, en fait, on est dans une amélioration soutenue des perspectives économiques brésiliennes? En fait, c'est trop tôt pour ça. D'accord. Alors, vous avez remarqué que Alexandre a dit c'est reparti comme en 40. Évidemment, il faisait référence au gouvernement de Getúlio Vargas au Brésil en 40, qui était un gouvernement assez positif. Voilà. Ah, je ne faisais pas référence à ça, mais ouais, peut-être. Je le sais, je le sais, je le sais. Je t'ai pris. Alors, justement, tu as dit le gouvernement a augmenté les investissements publics, mais dans quoi, justement? Les dépenses publiques, elles partent dans quoi? Dans les infrastructures? Dans des aides Alors, sociales? Dans l'augmentation de la essentiel. taille de l'État? Ce qui est important aussi, hein, le Brésil est un grand pays, donc il faut que l'État soit présent sur le territoire. Alors, pour l'instant, essentiellement, c'est malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est pas forcément des dépenses d'investissement public. C'est-à-dire que ils ont augmenté la bolsa familiale, ils ont augmenté le salaire minimum. Et en fait, au Brésil, tout est indexé sur le salaire minimum, les prestations retraite, énormément de dépenses. Et donc, finalement, en augmentant le salaire minimum, ça fait augmenter tout le reste. Donc, ce n'est pas des dépenses d'investissement de manière générale, c'est plutôt des dépenses de relance de la consommation. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un doute pour savoir est-ce que ça va être quelque chose qui va être soutenable. Ah, il y a aussi quelque chose, c'est qu'ils ont aussi anticipé beaucoup des décisions judiciaires. Par exemple, voilà, tu as le droit à des aides sociales. Pour une raison ou pour une autre, tu as reçu moins que ce que tu devais recevoir. L'État est condamné, il doit te reverser des aides sociales que tu aurais dû toucher mais que tu n'as pas eu, ou alors ta retraite que tu aurais dû toucher mais que tu n'as pas eu. Et il y avait une sorte d'énorme montant accumulé, et l'État a payé une énorme partie d'un coup, ce qui en fait explique aussi la forte croissance, parce que d'un coup, beaucoup de gens se sont retrouvés avec de l'argent, et donc ça explique pourquoi il y a une forte croissance. Et quand je disais que ben, ça ne va pas forcément se répéter les années suivantes, c'est qu'effectivement, en fait, ces dépenses-là ne vont pas se répéter. Donc, en fait, l'impact sur la croissance non plus. Donc, c'est compliqué. La situation brésilienne, elle est bonne, mais on ne sait pas encore Juste si on d'accord. peut savoir une campagne ou pas, en fait. D'accord. Alors, il y a un paradoxe brésilien aussi, c'est la place du Brésil dans l'Amérique du Sud. Donc, bon, c'est un géant, ça personne ne le conteste, mais en revanche, il n'irradie pas forcément, ni politiquement, il n'y a pas un modèle brésilien en Amérique du Sud. Et puis, militairement, évidemment, et encore heureux, personne ne le craint, ce n'est pas un sous-empire, hein, il n'y a pas de guerre entre le Brésil et ses voisins. Et économiquement, eh ben, il n'irradie pas forcément encore. J'ai vu que le ministère de la Planification, à travers Madame Tebet, Simone Tebet, cherche à construire 5 routes d'intégration pour l'Amérique du Sud, ce qui serait un moyen de diversifier les relations économiques du Brésil avec ses voisins, de les intégrer dans un sous-continent intégré économiquement, parce que ça, c'est un grand problème de l'Amérique latine. L'intégration, c'est un des derniers pays
qui n'a pas de mécanisme efficient d'intégration. Comment tu vois ça? Comment tu vois le Brésil en Amérique du Sud? En fait, c'est curieux parce que ce que tu dis, c'est vrai, c'est l'Amérique du Sud, c'est pas un continent cohérent, enfin intégré. C'est-à-dire que les échanges entre l'Argentine et le Brésil, ils sont relativement modestes. C'est-à-dire qu'en plus, parce que la monnaie argentine s'est effondrée, donc ils ne peuvent plus acheter grand-chose au Brésil, mais même sur enfin, les autres pays frontaliers, enfin, voilà, les échanges ne sont pas énormes. Et finalement, le Brésil est beaucoup plus connecté à la Chine que connecté au Chili, à l'Uruguay, à l'Argentine. Et c'est assez curieux, en fait. Ils sont beaucoup plus intégrés dans la mondialisation qu'intégrés dans le commerce régional en Amérique du Sud, qui est assez modeste, hein, qui est pas... Et même, j'ai l'impression, alors ça, c'est moins mon côté, mais j'ai l'impression que si on prend les pays d'Amérique latine, ont tous beaucoup de problèmes internes. Et en fait, quand la politique étrangère occupe pas forcément une grosse place, en fait, dans l'action des gouvernements. En fait, il y a tellement de choses à traiter en interne que finalement, on est plus accaparé par les politiques domestiques. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression concernant le Brésil. Peut-être que dans Lula 1, Lula 1 ou 2, Oui. comme l'économie avait moins de soucis, que ça le permettait de plus se projeter dans les organisations internationales, Oui, alors dans justement, le les Brésil, acteurs. il oscille aussi entre le multilatéralisme et le nouveau monde multipolaire naissant. Alors, on ne va pas revenir sur le sujet, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous y renvoie. Mais la position de Lula par rapport au Venezuela, d'ailleurs où il s'est mis dans une panade tout seul, bah, reflète bien un peu cette ambiguïté du Brésil au-delà de et de la place du Brésil au niveau géopolitique. Et au niveau du monde multipolaire, on a le sommet des BRICS à Kazan, donc le 22 octobre prochain. Comment le Brésil, quel est le rôle du Brésil dans ce monde multipolaire? Voilà. C'est-à-dire que je pense que le Brésil, c'est vraiment la mentalité du non-aligné. C'est-à-dire que le Brésil a toujours essayé d'avoir une politique plutôt équilibrée. Après, c'est vrai qu'on est quand même un énorme client de la Chine, donc on est attiré de ce côté de la Chine et des BRICS. Mais c'est la comment dire le Brésil joue beaucoup cette carte du monde multipolaire. Je sais que Lula est plutôt partisan de renforcer cette. On avait beaucoup parlé à l'époque de questions de monnaie des BRICS. Moi, j'ai jamais trop cru, j'ai toujours pensé que ça irait plus dans un sens de développer les transactions entre les monnaies de chaque pays et aussi cette question d'augmenter le nombre de transactions en yuan. Et là, on voit quand même que, par exemple, la Chine, dans le règlement de ses exportations, ils sont passés à majorité en yuan maintenant. Le yuan commence à se développer, alors timidement, mais dans les transactions et les réserves bancaires au Brésil, avec la Chine. Et ça commence, voilà, c'est la tendance qui se poursuit dans cette espèce de pas vers un monde multipolaire. D'accord. Donc, Après, alors. sur le Venezuela, je n'ai pas trop suivi, je ne veux Non. pas dire n'importe quoi, tu connais ça mieux que moi. Oui, non, mais surtout, non, on a déjà touché le sujet, mais c'était un peu symptomatique, en fait, de la dynamique géopolitique du Brésil. Et écoute, Alexandre, un dernier petit mot, peut-être, sur le sujet de l'accord avec. Union européenne Mercosur, où ça en est? J'ai vu que Lula avait poussé un petit cri il y a quelques jours. Alors, le problème est suivant, c'est que, en gros, la France était toujours l'opposant historique au traité. Et quand Macron a été élu, parce que Macron était assez proche de Macri, hein, enfin, ils avaient une bonne relation, Macri, président argentin avant Avant Massa Fernandel. Rodman.
Et 2015-2020. en fait, notamment après des visites en Argentine, en fait, la position de la France a changé, ce qui a permis au traité d'avancer. Sauf qu'au bout d'un moment, la France a changé d'opinion. Sinon, on ne peut pas le faire. Et donc, le traité s'est arrêté. Est-ce que l'opinion de la France est très importante? C'est un gros pays, il pèse beaucoup. Et beaucoup de petits pays qui n'osent pas s'opposer au traité, ils se mettent derrière la France et ils se disent, bon, allez, on y va, quand la France est contre. Donc, le traité a subi un coup d'arrêt, sauf que la Commission européenne essaye de pousser le truc depuis pas mal de temps, mais clairement, ça patine. Ouais. Alors, je précise quand même que ce traité serait quand même un coup sur la nuque au monde agricole français, hein. La France ne s'oppose pas non plus. Si même un libéral comme Macron s'y oppose, c'est qu'il y a des raisons, hein. De toute façon, voilà, faut pas se, y a aucune possibilité pour le secteur bovin français de faire de De suivre rivaliser. de bien la compétition avec l'agronégoce brésilien. C'est même pas la peine d'y penser. Et en plus, beaucoup de gens, oui, disent c'est la viande de merde. Pardon, pardon pour la grossièreté, mais la viande d'Argentine et du Brésil, c'est pas nécessairement de la viande de mauvaise qualité. Il y a même Il y a de certaines tout. productions sont très 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 bonnes en fait. Oui, bien sûr. Globalement, il y a un lobbying assez fort de certains pays, notamment l'Espagne, le Portugal, qui essayent de faire revivre le traité. Et la Commission européenne vient régulièrement, il y a des discussions. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas trop. Ce qu'ils veulent faire, c'est un peu de forcing et en fait séparer le traité en deux. Et faire approuver que la partie commerciale. Et là, on passe par le Conseil européen et le Parlement européen. Pas besoin de ratification par les parlements nationaux. Et donc là, la France peut être mise en minorité. Mais c'est compliqué, c'est un bras de fer politique. Et globalement, j'ai l'impression que ça avance du côté de la Commission. Mais ce n'est pas encore sûr que. C'est-à-dire que des fausses nouvelles, enfin des fausses nouvelles ou des faux espoirs du côté de la Commission, on disait, ah, c'est bon, on est quasiment en train de signer, c'est bon. C'est régulièrement depuis 2 ans, en fait. Donc il faut Et faire du côté du attention. Brésil, comment on le vit du côté du Brésil? Quelle est la position de Lula sur le sujet? Bah, le Brésil est plutôt en faveur, hein, parce que bah, c'est plutôt positif pour nous, à la fois pour des débouchés industriels et agricole. Donc c'est plutôt positif, je pense, parce que, encore une fois, l'agriculture française n'est pas capable de faire face à l'agriculture brésilienne, hein, désolé, hein, mais ce n'est pas les mêmes tailles d'exploitation, ce n'est pas la même Et compétitivité. les mêmes normes surtout aussi. C'est ça qui joue. C'est ça les agriculteurs français doivent obéir à des normes que les agriculteurs, l'agrobusiness brésilien n'obéit pas. Voilà, ok, bon, très bien. J'ai une dernière nouvelle, je sais pas si tu as suivi ça un petit peu, mais Twitter vient d'être débloqué. Oui, eh bien oui, tu as raison de me mentionner ça. Effectivement, il y avait un grand combat au Brésil contre Twitter. Donc, le juge Alexandre Moraes avait décrété donc, le blocage de Twitter tant que Twitter ne s'adaptait pas aux lois brésiliennes. Voilà. Alors, on a Alors. accusé que Lula était contre, etc. Je rappelle tout de même que le juge Moraes n'est pas du parti de Lula. Il était même ministre dans le gouvernement de Michel Temer qui avait destitué. Dilma Rousseff, etc. Mais voilà, ça c'était la situation donc au Brésil. Alors qu'en est-il justement? Alors, c'est vrai que sur Internet, on voit beaucoup de trucs. J'ai vu une vidéo là récemment. La CIA a pris le contrôle du Brésil. Alors, c'est compliqué parce que il faut comprendre que, oui, effectivement, ça va peut-être un petit peu loin de bloquer un réseau social. Globalement, la plupart des gens étaient contre, hein, même les gens que je connais qui sont un peu plus de gauche. J'ai rarement vu quelqu'un qui m'a dit quelque chose, qui m'a dit du bien de cette décision. Que ça allait peut-être un petit peu trop loin, mais il y avait toute une dimension un petit peu souveraineté. C'est-à-dire qu'en gros, Elon Musk, il a dit à la justice brésilienne, allez vous faire voir, j'ai pas envie de respecter vos lois, je Non, mais il l'a paierai dit pas en les plus amendes. littéralement, hein. Ah ouais, je vais pas payer vos amendes. Et en fait, il y avait toute une connotation, attendez, mais vous essuyez les pieds sur le Brésil, c'est pas un Yankee qui va faire ça, vous allez voir ce que vous allez voir. Et il y avait toute une dimension. Un peu à
protection de la souveraineté d'un pays émergent par rapport aux Américains, ce blocage de Twitter. Alors, c'était une dimension. Après, c'est vrai que est-ce que la manière dont le STF a traité La cette Cour affaire, c'est suprême, la Cour suprême. ouais, la Cour suprême, voilà, ils se sont un peu pris dans un truc de censure qui, de toute façon, en fait, n'aboutit. Enfin, je sais pas si c'est vraiment la solution. Mais ensuite, donc finalement, Elon Musk a décidé de payer les amendes. Et a priori, Twitter pourra être débloqué aujourd'hui ou demain. Voilà, eh ben, écoutez, c'est intéressant aussi ça, parce que ça évidemment dépasse le Brésil. Il y a les mêmes problèmes au Venezuela aussi. Il y a eu les mêmes problèmes avec l'Union européenne, on s'en rappelle. Et finalement, c'est au-delà de M. Musk et de ce que représente M. Musk, qui a une position politique assise et assumée, mais c'est vraiment une guerre entre les États-nations et puis l'économie digitale. L'économie 2.0 et c'est les GAFAM, donc voilà, c'est-à-dire un monde sans aucun État, aucune loi, aucune frontière, et puis ben, on va dire le monde de l'État, le monde de l'État-nation qui cherche à faire appliquer ses lois. Voilà, et ben écoute, ça sera le mot de la fin. Merci Alexandre de nous éclairer sur le Brésil, et puis ben, merci à vous qui nous avez suivis jusque-là.